Comment va la maman? Ben, je vais bien. Mais d'abord, ma prédiction, c'est pas une question, mais quel est le sujet de ta beauté? Parce que c'est pas normal. Jusqu'à l'air là, dis pas les petites et jolies à voir. C'est Dieu. Waouh! À un moment donné, là aussi, la femme, il faut donner la relève. Hé, hey, ma fille! Ça là, je peux pas donner des. Hey, chacun maman, a pour lui. Chacun a pour lui comment? Oui! Mais parce que ça là, même, lui, mais maman, là, quand il était jeune, à l'époque, il me souvient très bien. Attends, la maman, tu peux pas passer. Tous les gars traquent, tous les gars sont fins, tous les gars blagues. Mais maman, est-ce que jusqu'aujourd'hui, ça continue? Mais regarde, je suis devenue encore plus belle. Aïe! Hey. Toi aussi. Et maintenant, j'ai la forme, tout ça, mes fesses ont augmenté un peu. De la forme qui est sortie. Tu n'as pas vêtu des jeunes filles aussi. C'est quelque chose, on appelle ça comment? C'est que vous opérer. Ouais, maman, avant, tu étais mince. Un coup, voilà. Quand tu viens, tu vois la chair sortie. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma fille, on va aller ensemble, tu vas me montrer comment on fait. Je vais augmenter ça encore. C'est que tu sais. Sinon, ça là. C'est naturel. Vous voyez, ça c'est naturel. Maintenant, je vais aller faire comme Edossi. Ah, ça. Elle a pris mal perdu, mais c'est trop. Voilà. Mais aujourd'hui, ça te fait combien d'années de carrière? Et c'est moi-même, je sais compter même. Parce que j'ai commencé en 1997. En ce moment, j'avais 13 ans par là. Si. Jusqu'aujourd'hui, en 1977, j'avais 13 ans par là. Et en 87, avec 10 ans après, j'ai fait mon premier Dix. D'accord. Alors, comment tu débutes ta carrière? Mais dans les orchestres, parce que moi, je ne suis pas née chanteuse, hein, je dis ça tout le temps. Je suis pas née chanteuse. Et j'ai débuté chez Abadi Richard. D'accord. Les New Stars d'Abadi Richard. Après, je suis parti dans l'orchestre national de Pango. Mais ils avaient changé de nom, mais c'était la même personne. Et après, Meolessel. Je suis revenue encore chez Abadi. J'ai fait podium 84, 85. 86 et en 87, j'ai fait mon premier Dix. Et avant 87, je suis passé avec le groupe Génération 86. C'est quoi le titre du premier disque? Et c'est Bouleke Bouleke. Maintenant, ouais. Yada, hey, Bouleke Bouleke, ça va chauffer. Ça va bader. Ah, la à cette époque-là, Défanie, je ne sais pas si tu te souviens, la maman
dans sa manière de danser, elle avait des faces. À retourner la tête de papa de Jean. Ma fille. Il y a des femmes qui allaient accompagner leur mari au concert. Donc elle est allée. Les personnes disaient non. Quand elle commence. Comment ça t'est venu? Comment ce genre de. J'ai de bon, comme j'ai joué avec les Aïrois, oui. Avant même de jouer avec le groupe Génération 86, j'étais les Filokola, les Lokasa et à Bongo. Il y avait beaucoup de Aïrois qui étaient en Côte d'Ivoire, mais ils habitaient Makori. Et j'ai joué, j'ai fait le cœur de tout cela. Avant même de venir avec le groupe Génération 86. Donc c'est là-bas, ils m'ont appris un peu leur manière. Ils ont dit, quand tu es sur scène, il faut compléter avec la danse. Et puis souvent, ils ont eux-mêmes, les filles, quand on joue comme ça, les femmes aïroises là, elles viennent faire leur truc là. Donc j'ai triché. Voilà, voilà. Mais il paraîtrait qu'à cette époque, il y avait une certaine concurrence entre toi et Chalamona. Il n'y avait pas de concurrence. Chalamona, vraiment, c'est une femme. Elle est à part entière. Elle est elle-même. Et moi, j'étais moi. Il n'y avait pas de concurrence. Parce que quand même, elle est aïroise. Et puis, Kala, elle est... À l'époque, c'est une femme, elle était très, très belle aussi. Hein. Donc, il n'y avait même pas de concurrence. Je sais que j'ai joué deux ou trois fois à l'Hôtel Ivoire avec elle. Il n'y avait pas de concurrence. Alors, maman, aujourd'hui, l'actualité, aujourd'hui, on va dire, c'est la carte de l'hospitalité organisée par notre nation, la Côte d'Ivoire. Et je vous ai vu dans ce même élan, apporter votre soutien à votre manière en sortant un tube. Avec votre sœur, en fait, oui, Tina, ça est. Voilà, comment on retrouve hein, ces deux mamans, deux légendes, en même temps, les deux mamans légendes, mm-hmm. Et les mères d'enfants de deux légendes encore. Et en plus, j'avais fait ce fameux conseil à l'époque pour parler de la culture, le conseil mère et fils. Mm-hmm. Il y avait vous et votre fils, Kedivara, et Tina Glamour et son fils Arafat. Oui, oui, mais c'est vrai, mais il y a longtemps. Oui, je vois. Ah oui. C'était. Les mères et fils. Oui, c'était vrai, c'était vrai. C'était intéressant à voir. Alors, vous les 27 aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle est cette langue qui vous a poussé à faire cette chanson pour soutenir les gens? Tu sais, Tina et moi, on se connaît il y a longtemps. Hein. D'accord. Avant qu'elle ne fasse ses enfants, moi aussi, je n'avais pas d'enfants aussi en ce moment, mm-hmm. qu'on s'est connus. On était très, 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 très jeunes. Et jusque-là, on a gardé notre amitié. Et nos enfants sont devenus des amis aussi. Et notre amitié est restée qu'aujourd'hui on est des sœurs quoi. Mais ça n'a pas d'éteint sur vos enfants hein, parce que nous le savons que Kedivara et Freddy Arafat avaient une amitié très sincère mais que les gens qui en fait ils avaient leur amitié qui n'ont pas exposé aux yeux. Non non, ils faisaient pour eux en douce. Tu sais que Kedivara il est très soft. Et c'est même chose, Tina est bouillante, moi je suis un peu. C'est quand je suis devant les gens. Non, dans Cracher là, elle me connaît. Quand je vais te parler, là, je te parle comme je veux, je m'en fous. Tu es adéquat, toi? Oui, moi, je parle mal. Hein. Donc, tu l'as dit, que maman est plus dangereuse qu'elle n'a parlé mal. Ça veut dire que je ne parle pas, toi-même, tu as vu. Toi, tu es ma fille. Oui. De nature, je suis très calme. Mais mon pied, il ne faut pas marcher dessus. Wow. Dès que tu marches, je marche pour toi. Vu. Ah non, alors, non. On t'a vu aussi sur la toile, dans une vidéo, tu as dit que le match des éléphants qu'ils allaient jouer à Yamoussoukro était un match très spirituel. Oui. Et que. Il va être les jeunes Bachidem pas pliés à la basilique de Yamoussoukro parce que c'est un symbole. Oui. Un symbole très fort. Puis à travers cela, ils allaient avoir l'air remporter la victoire. Oui. Alors, qu'est-ce que tu dis de tous ces gens, ces mystiques, ces gens, ces féticheurs qui disent qu'ils ont fait des choses que la Côte d'Ivoire gagne? Ben, c'est là on voit qui est fort. Ça veut dire, tu es ton mystique, tu es ton quoi. Moi, je ne vais pas contre eux. Hein, et ils font leur truc. Mais moi, je suis avec Dieu. Dieu leur a prouvé qu'il est le seul qui est Dieu. À part lui, il n'y a personne. Il est le seul. Et Dieu est très puissant. Et vous avez vu le match qui s'est passé. Ils ont tout le monde a donné ses pronostics. On va avoir 2-1. D'autres ont dit non, on va marquer. Après, la Côte d'Ivoire va marquer. Tout ce qu'ils ont dit là, ça s'est passé comme ça. Dieu est venu. Il a mis ses anges. Et les anges ont fait leur travail. Parce qu'on dit Dieu travaille, on ne peut pas voir. C'est des trucs spirituels. Quand Dieu fait son travail, là, on ne voit pas. Vous avez vu au début, les gens s'agitaient.
Mais après, ils étaient découragés. Oui. Ça veut dire où la main de, oui. où la main de l'homme s'arrête, c'est là la main de Dieu commence. Effectivement, au début du mal, il y avait beaucoup d'agitation. Mais aujourd'hui, qui fait les éléphants? Qu'ils sachent que la victoire, là, c'est Dieu qui leur a donné. Et qu'ils soient humbles, qu'ils soient sages. Taper la poitrine pour dire c'est nous, non. On n'est même pas encore arrivé quelque part. Continuez de prier. Même si vous-même, vous ne pouvez pas aller à la basilique, envoyez toujours quelqu'un vers là-bas, vers les prêtres là-bas, prier pour vous, pour que vous puissiez toujours avancer. Mais voilà. La mère Antoinette à la nuit, quand on sait, on a vu cette vidéo où des gens, la chefferie du village d'Akradjo à Dabou, ont dit qu'ils allaient prendre en main la canne là pour nos éléphants et qu'ils allaient les hisser jusqu'en finale. Donc la question est, cette victoire que les éléphants ont eue récemment, est-ce que c'est spirituel, c'est-à-dire que ça vient de Dieu? Quand on dit spirituel, moi je parle quand je parle d'un truc spirituel, je parle de Dieu et nous. Maintenant, ce que eux ils font là, moi je ne connais pas, parce que je ne suis pas là-bas. Qu'ils ont une vieille qui avale les balles. Je ne savais pas qu'on pouvait avaler. Si elle avalait, c'est bien pour elle. J'espère qu'elle va avaler aussi les tables et tout ça là un jour. Donc je ne sais pas. Moi, je ne peux pas parler de ça. Moi, ce que je sais que la victoire des éléphants, c'est Dieu. Un point, un trait. Parce que les gens qui font leur truc, il ne faut pas aller contre ça. Ça, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Mais moi, je te parle de Dieu. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Qui a dit, mettez votre foi en moi. Et moi, Dieu, j'ai ferai pour vous. C'est ce Dieu-là dont je parle. Voilà. Le reste là, je ne me mêle pas. Alors que même dans ce même élan, qu'est-ce que tu penses par exemple des gens sur la toile, sur les réseaux sociaux, qui demandent au président, ils disent, allô, de démissionner, pourtant il est en pleine mission, il est en train de faire un travail. Qu'est-ce que tu penses de ça? Peut-être qu'eux, ils ont leur raison. Mm-hmm. Mais je pense que j'ai écouté ce monsieur, il a dit qu'il vient d'arriver. Oui. Ce n'est pas la canne qu'il a mis là. Mm-hmm. Donc moi, je pense qu'il faut mettre de l'eau dans notre vin. Mm-hmm. On était fâchés parce qu'au début, ça capotait. Mais là, actuellement, les Ivoiriens, je pense qu'ils ont mis de l'eau dans leur vin avec ce que Dieu est en train de faire pour nous. Je pense qu'il faut pardonner aussi. Faut moi, je ne le soutiens pas, je ne le connais pas. Non, je ne dis pas, pas soutien, maman. Non, je ne le connais pas, je ne sais pas qui c'est. Je ne soutiens personne. Ce que je peux dire, il faut mettre de l'eau dans le vin et regarder ce monsieur travailler. C'est moi qui ai battu dans la campagne. Je ne le connais pas. Non, je ne le connais pas. Non, je veux dire que c'est moi qui ai battu la campagne de ce monsieur. Je ne le connais pas. L'autre campagne, là. L'autre campagne, maman politique, que tu as battue en 2010, là. Vous êtes Kpakpato. Avec un monsieur. Oui, et puis tu es en grande trompe. On t'a vu sur les panneaux publicitaires de la Côte d'Ivoire. T'afficher pendant qu'un parti était au pouvoir et tu es venu t'afficher avec le parti en opposition qui cherchait à faire partie de ce parti-là. Mais là, on est arrivé encore. Que Dieu me donne la parole dans la bouche. Ouattara qui est au pouvoir aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Tu faisais partie des personnes qui ont fait sa campagne. Est-ce que après ça, Yumi? Oui. Maman, est-ce que tu as eu au moins une maison? Monsieur Prenant Ouattara, est-ce que tu as eu au moins une maison? Avant de revenir à. Au président Ouattara, oui. Je vais vous dire que moi j'ai fait la campagne de papa, de grand-père, parce que c'est notre grand-père, père à son âme, Bédier. Okay. J'ai fait la campagne d'Henri Kona Bédier, où j'ai eu même fait un accident quand je partais. On avait déjà commencé et je partais à Daokoro, j'ai fait un accident où j'ai cassé ma clavicule et mon bassin. Donc, c'est pour dire que moi, à l'année, là, je ne tris pas. J'ai soutenu Bédier. C'est après qu'il y a eu, comment on appelle là, le coup d'État. Même avant le coup d'État, il avait un parent que je connaissais, il avait son neveu que je connaissais. Je préfère taire le nom. Un jour, j'étais là et puis dans ma vision, les Ivoiriens, pardonnez-moi, je n'ai pas dessus quelque chose. Mais c'est ce que Dieu m'a montré. J'ai vu que le monsieur était en slip. Excusez-moi, hein. C'est une vision. Ce n'est pas vrai. Ne dites pas qu'à l'année, Dieu l'a vu. Je n'ai pas dit ça.
J'ai vu dans ma vision qu'il était en slip, il courait pour aller à l'aéroport avec sa femme, ses enfants, les femmes et quelques ministres. Il courait plus derrière, j'entends coup d'État, coup d'État, coup d'État. En ce moment, la Côte d'Ivoire connaissait pas ce qu'on appelait coup d'État. Je me suis levée, j'ai dit, c'est quoi ça là? J'entends coup d'État, coup d'État. Et puis je vois le monsieur devant sa cour et j'ai demandé, mais il s'en va où? On me dit, il s'en va au Togo, il s'en prend l'hélicoptère dans ma vision. En ce moment, je ne connaissais même pas Dieu encore, je ne priais pas même. Et je suis allée voir une personne, elle a dit, ah, je connais un papa qui prie. Il dit prière, c'est qu'elle prière. Il dit non. Il prie pour les gens de l'église, tout ça long. Quand j'ai expliqué, il dit, ah, ce rêve-là est fort, ma fille. Comment tu. Il dit, ah, c'est ce que j'ai vu. Il dit, mais si tu connais quelqu'un qui est à côté, va lui dire. Et j'ai approché ce papa, il dit, ah, papa, on ne peut pas avoir les présidents comme ça facilement. Normal. Donc je suis parti, il dit, voilà ce que j'ai vu. Il dit, ah, là vous aimez trop ça, quand vous avez rassasié. Vous êtes rassasié, c'est là où vous faites les rêves. Tu n'as pas trop mangé hier. J'ai dit, ah papa, je ne sais pas, mais comme j'ai un papa qui va à l'église, qui prie beaucoup, qui est christianiste céleste, il m'a dit de venir te voir et t'expliquer et voir le papa Bédier pour prier. C'est pour cela que je suis venu te voir. Mais comme tu dis, je suis rassasié. Peut-être que j'ai bu et je suis saoulé, mais papa, moi, je ne bois pas où. Donc, je ne sais pas, moi, on laisse comme ça. On a arrêté. Mon fils, un mois, deux mois, trois mois, un jour, j'entends, beau. On est allé au plateau faire les courses. Ce beau-là m'a trouvé au plateau. Oui. Presque de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on était préparé à ça? Non, personne ne s'y attendait à cette époque. Donc, tout le monde courait pour entrer. Ouais. Après, on dit, il y a coup d'État. Et c'est comme ça, ce que j'ai vu là, c'est comme ça que ça s'est passé. Et ce monsieur m'a dit, il faut prier. Tu as un don en toi. Mais j'ai prié. Je prenais ça pour faire l'amusement, tout ça là. Moi, au-delà de tout ça, tu n'as pas répondu à la question. Quelle question? Donc, je vais te... J'ai cru que tu allais oublier. Donc, c'est pour te dire que... C'est pour te dire... Un jour. Donc, c'est pour te... Non, c'est pour te dire que j'ai battu campagne de papa... Bédier et à son âme. J'ai battu aussi la campagne de mon papa Gbagbo. Parce qu'elle était entrée de les îles. J'ai été l'une des premières avec ses cassis. C'est nous deux qui avons chanté pour Gbagbo. D'accord. À l'époque du Fouet Boigny. Jusqu'à même les Baoulés, souvent, ils me disaient, mais toi là-haut, tu veux quoi? Tu es Baoulé et puis tu vas chanter pour un BT. J'ai dit non. Moi, le monsieur, je me plais bien sa manière de parler. Quand il dit la vérité, moi, ça pousse aux gens de travailler. Tout. Donc, il me plaît, c'est tout. Donc, et puis, papa Gbagbo m'a pris vraiment comme sa fille. Il a donné beaucoup d'argent aussi. Non, en ce moment, il n'était pas encore président. Jusqu'à ce qu'il ne soit président. Est-ce que le président va travailler à devenir? Et quand il est devenu président... Quand il est devenu président, quand il devrait, 10 ans après, on devrait faire sa campagne. Je faisais partie des gens qui devaient faire la campagne de papa Laurent Gbagbo, parce que c'est mon papa. Oui. C'est ce monsieur que je connais. C'est mon papa. Mais vous et non, arrivé, on m'a mis mon nom sur la liste, et puis ils sont venus m'enlever. Ah. Donc j'étais tellement fâché. Voilà. Ils ont enlevé mon nom sur la liste des gens qui... Voilà, ils ont enlevé mon nom. J'ai dit, ah, vous avez enlevé mon nom. Bon, je m'en vais où je sais que ça blesse. C'est comme ça que je suis parti. Quand tu me dis ça, pour que tu ne vois pas bien. Mais maintenant, quand tu arrives dans le camp, ça devrait les blesser. Ils ont enlevé la maison. Et puis, je suis allé maintenant dans le camp de l'autre côté. Ça, j'étais fâché. Comment moi, mon papa est président? Comment, attends, comment mon papa est président? Où je dois, il va me voir chanter, vous m'enlevez. Donc ça m'a fait tellement mal. C'est pour cela que je suis parti de l'autre côté. Et quand il m'a vu sur les affiches, voilà, quand il m'a vu sur les affiches, il m'a appelé. Il dit, mais ma fille fait quoi là-bas? Tu connais papa Laurent Gbagbo, il est tellement franc. Ah papa, moi, je t'aime. Donc il m'a dit, ah, viens. Je suis allé à la présidence, papa. Il dit, c'est quoi? Il dit, papa, ah, quand tu es devenu président là,
Ceux qui n'étaient pas avec vous avant, c'est ceux-là qui mangeaient. Nous, on t'a suivi là. Moi, je n'ai rien eu. Et puis, en plus, pour faire ta campagne, ils m'ont enlevé sur la scène. Donc, vous voulez que je fasse quoi pour me faire voir? Il dit, ah bon? J'ai dit oui. C'est pour cela que je suis allée de l'autre côté. Quand j'ai vu sur l'affiche, là, il m'avait appelé, il est tombé. Il dit, hé, hey, toi, tu es trop bandit. Et on a commencé à rire, tout ça. Il dit, mais maintenant que tu es venu là, est-ce que tu peux venir avec moi? Il dit, papa, où j'ai mis mon pied là? Je ne peux pas. Là, je ne peux pas. Je suis déjà là-bas. Il dit, donc, comment on va faire? Il dit, moi, je ne sais pas, je suis là-bas. Je n'aime pas tromper. Donc, je suis là-bas, ça fait des mois. Quitter comme ça, vraiment, je ne peux pas. Mais tu restes toujours mon papa. Il dit, qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, je veux une maison. Oui. Je dis, tu veux quoi? J'ai dit, une maison. Il dit, combien? Je ne dis pas la somme, il ne faut pas venir. Hein. C'est, j'ai fini de bouffer l'argent là. D'accord. Donc, je ne dis pas. Mon papa là, m'a donné la somme que je voulais. Puis, je suis allé payer ma maison. Je pouvais prendre ça pour aller payer une voiture. Okay. Ou à puis dormir dans la voiture. Mais quand j'ai regardé ma situation, avec mes petits-enfants qui vont venir, j'ai dit non, il faut que j'aille payer ma maison. Donc, je suis allé payer ma maison. Mais quand il m'a donné la voiture, hein, il m'a donné l'argent. Je pouvais c'est bouffer. Hein. J'ai demandé, il va aller payer mes maisons. Et il m'a donné, et puis je suis parti payer. Papa Laurent Gbagbo a donné beaucoup d'argent aux artistes. Hein. Elles ont beaucoup ont bouffé, n'ont rien fait. Hein. Ah bon, donc c'est pour te dire que. Non, c'est pas moi seul. Il a donné l'argent à beaucoup d'artistes. Et je parle de tout. Donc moi, j'ai. Donc, c'est ça que je t'ai dit. Qui t'a donné? Qui m'a donné l'argent? Oui, c'est pour ta maison que tu as eu. Qui m'a donné l'argent et j'ai payé? C'est papa. Il n'est pas chez moi, c'est mon papa. C'est papa Laurent Gbagbo qui m'a donné l'argent. Papa, je t'aime. Et quand il m'a donné l'argent, en ce moment j'étais avec papa Ouattara. Non, non, non. Moi j'ai dit tout haut. C'est selon dit je ne suis pas bonne là. Non, je suis partie. Et avant d'aller chez papa Laurent Gbagbo, j'ai dit à papa Ouattara, ah, j'ai rendez-vous avec mon papa Laurent. Il dit, tu le connais? J'ai dit oui. Depuis 80, c'est ça non, 90, je suis avec lui jusqu'aujourd'hui. C'est pas, il était un peu fâché que je suis venu avec vous. C'est lui que je connais bien. Il dit, moi je lui ai dit ça. Mais je le connais. Pourquoi il dit pas? Attends, moi je suis franche. Il a dit, bon, j'ai dit, oui, papa, je le connais bien. Mais il m'a énervé. Là, je suis venu avec vous. Il dit, ben c'est pas grave. Bon, il faut partir. Il m'a donné même un gars de corps pour m'accompagner, tout ça là. Et quand il m'a donné l'argent, je suis allé chez lui. Chez papa Ouattara, déposer l'argent. Parce que quand j'arrivais, je suis arrivé à 2h, 2h30 du matin ou 3h, il dormait. J'ai déposé l'argent là chez lui. Ah bon, quoi? Oui. Non. Parce que je tourne avec lui. Je ne peux pas aller chez papa Gbagbo. Il va me donner l'argent et puis je vais passer derrière lui pour aller avec ça à la maison. Chez nous, les Baoulis, ça ne se fait pas. Il fallait que j'aille lui présenter cet argent. Parce qu'en partant là-bas, je lui ai dit je partais. Ok. Et il va me donner l'argent. Et puis je vais prendre pour aller. C'est comme si je ne suis pas correcte. Oh, je suis une femme très correcte. Donc j'ai pris l'argent et je suis partie. Le matin. Quand il s'est. Voilà, et je lui ai fait le compte. Non, il s'est réveillé le matin. Jean-Baptiste m'a appelé, dit, ah, ton papa t'appelle. Et je suis venu. Non, je suis contente. Et il m'a appelé. Et ton papa Ouattara t'appelle, je suis partie. Et il m'a dit que c'est passé. J'ai tout expliqué. Voilà, voilà, voilà. Il dit, hé, ma fille, merci. Toi, beaucoup de sommes comme ça là. Tu es venue déposer chez moi. Tu es franche. À partir d'aujourd'hui, tu es ma fille. Si c'était quelqu'un d'autre, il allait prendre l'argent et me donner le dos. Mais toi, tu es venu me montrer. À partir d'aujourd'hui, tu es ma fille. Maman Dominique est venue. Quand papa a expliqué à maman, maman est restée comme ça. Elle m'a enlevé 5 millions. Elle dit, tiens, j'ai mis sur l'argent là. Et elle a dit, garde cet argent, il ne faut pas dépenser. Que quand je serai président, elle dit, papa, moi j'ai vu dans ma vision que tu es président. Il m'a regardé. Il dit, comment tu as consulté? J'ai dit, non, papa, souvent, mais je vois les choses, quoi.
comme mon papa tout qu'il a fait au début là. Il dit, bon, j'ai dit, j'ai vu que tu vas être président, ça serait un peu dur. Hein. Il aura des bons. Mais tu seras président. Il m'a regardé. C'est là le monsieur m'a regardé comme ça. Il m'a regardé. Il dit, qui t'a dit? Il dit, non, papa, souvent je vois comme ça, quoi. Il dit, ok. Puis il m'a dit, bon, garde l'argent là. Quand moi je serai président, je vais te donner une grosse maison. Tu vas prendre cet argent pour meubler ta, voilà, ta maison. Et quand je suis partie à la maison, c'est ça, autour de nous, il y a des jeunes filles, il y a des quoi. Quand j'ai expliqué, il m'a dit, pour lui, là, on a vu l'argent là. Pour papa à Ouattara, il dit, va te donner une maison. On n'a pas encore vu où. Mais ça là, tu peux au moins payer une maison avec. Maintenant, si lui te donne pour lui, ça va te faire deux maisons, au moins l'autre, tu peux mettre en louage. Donc, c'est ça, j'ai couru, puis je suis partie payer maison. Et j'ai payé des terrains. Je n'ai même pas laissé 5 francs dans ma main. Tout est rentré dans la maison et des terrains. Mais est-ce que papa Do, peut-être qu'il a donné, et que les coupeurs de route. Eux-mêmes, ils sont partis me gâter là-bas. Pour dire que je parle trop. Il ne faut pas y aller approcher à Do, les coupeurs de route. Aujourd'hui, je ne sais même plus où on passe pour aller là-bas. Les Ivoiriens pensent que c'est Ado qui me fait. Il me donne tout. Mais ils ne savent pas que je ne les vois plus. Dans la vie, il ne faut pas te fâcher. Moi, il reste toujours mes parents. Que Dieu fasse que tu viennes de ça. Il y a un Dieu pour tout et je pense que... Non, que Dieu les bénisse. Je pense que si c'est comme ça qu'ils devraient me traiter, si c'est comme ça qu'ils devraient me traiter, que Dieu les bénisse. Si ce n'est pas comme ça aussi, que Dieu les bénisse. Parce que très souvent, les Ivoiriens qui ne savent pas pensent que j'ai des milliards, j'ai des temps, Ouattara, je suis toujours devant Ouattara. Ouattara m'a confié aux gens, mais ils m'ont barré pour ne pas que je voie Ouattara. Ce n'est pas Ouattara, hein. Je ne suis pas fâché contre le président Ouattara. Ça, il faut dire la vérité. Mais les papatos qui sont autour m'ont barré. Il m'a même proposé un salaire qui partait dans... Bon, je ne dis pas. Peut-être qu'ils prennent ça. C'est pour cela qu'ils ne veulent pas que je sois... Que je voie le président. Parce que si ou peut-être que même le président, voilà, ma bouche ne porte pas qu'à leçon. Ou peut-être même que le président a donné l'argent pour ma maison, ils ont bouffé. Donc ils ne veulent pas que je voie. Donc ils m'ont fermé. Mais ils se sont fermés eux-mêmes. Parce que moi, ne me ferme pas. J'appartiens à Dieu. Vous me voyez comment j'ai brillé. Chez nous, les Baoulés, il y a un mot, chez nous, ou en français aussi, on dit, il vaut mieux faire envie que pitié. Donc quand les gens me voient, elle bouffe, elle est là, elle est là. J'ai fui et je suis partie au Mali. Tellement que j'ai eu le stress, ça m'a donné des maladies du sang. Vous voyez, je porte les bas de contention. Ça, c'est les bas prescrits à l'hôpital. Quand je dois sortir, je porte pour mon sang. J'ai été opérée de sciatique. J'ai été opérée de canal capillaire. Vous voyez, mon œil, ça louche un peu là. C'est les nerfs. Mes nerfs ont été touchés dans mon œil. Tous les 3 mois, je me fais opérer en France. Qui me paye cet argent pour que j'aille faire l'opération? Qui me donne l'argent pour que j'aille me faire opérer? Vous voyez, mon œil n'était pas comme ça avant. Mais aujourd'hui, je louche un peu. J'ai eu tout ça à cause de Ouattara. Mais aujourd'hui, qui me connaît? Depuis qu'ils sont là, vous m'avez une fois vu chanter à la présidence. Pourtant, autant de Gbagbo, ils chantent à la présidence. Depuis qu'ils sont là, les Ivoiriens m'ont une fois vu chanter là-bas. Toi-même, ça t'étonne. Ça, c'était mes débuts. Quand il est venu naître, c'est là qu'il nous a décoré, Lago Poulin et moi. Mais ça, après, on les a vus. On a reçu Lago Poulin ici aussi, on en parlait un peu aussi. Je ne les ai plus revus. Mais le problème, Ouattara ne sait pas. Souvent, quand il y a des choses qui se passent, j'ai dit, le monsieur là, il ne sait pas. Ceux qui sont autour là, c'est ce que j'ai dit un jour, et puis on dit que tu as insulté Ouattara. Pourquoi il vient insulter un homme qui peut me mettre au monde? Moi, je respecte, hein. Je sais où je mets mon pied. Hein. Papa Ouattara, ne m'oublie pas. Hein. J'ai trop souffert pour toi. Tout ce que tu m'as promis, ceux qui sont à côté de toi prennent. Peut-être qu'ils l'utilisent. Donc, ils me bloquent pour ne pas que je te voie. Donc, aujourd'hui, je te dis, je te parle avec le cœur que voilà ce que je vis.
ceux qui sont autour, c'est ce que j'ai dit un jour, ils ne sont pas bons. Ils sont allés dire, moi, je vous ai insulté. Je suis très bien élevé pour insulter un chef d'État, pour insulter une bonne personne. Parce que je vous connais, je vous ai fréquenté, vous êtes une bonne... Pendant un an, j'étais auprès de vous. Vous êtes une bonne personne. Peut-être ceux qui ne vous connaissent pas vont dire que vous êtes mauvais. Non. Oui, pardon, vous êtes mauvais. Non. Ouattara n'est pas mauvais. Ok, maman. Alors, donc, il faut que ça soit clair où je suis en train de parler là. Je n'ai pas insulté le président. Non. Et je ne peux même pas l'insulter. Mais ceux qui sont autour de vous sont mauvais. Ils sont mauvais. C'est ceux-là qui font qu'aujourd'hui, souvent, les Ivoiriens vous boudent. Et j'ai répété encore pire. Pourquoi ? C'est parce que la musique, vous avez toujours conseillé à votre fils que la musique ne nourrit pas. Mais la musique en Côte d'Ivoire nourrit qui ? Je sais que vous en parlez beaucoup avec votre fils parce qu'il a... La musique en Côte d'Ivoire, là, ça nourrit qui ? Voilà aujourd'hui, là, il y a Kokan qui m'a invité. Pourtant, j'étais à Ouattara. Est-ce qu'ils m'ont donné même une petite place pour dire à l'année, viens chanter pour avoir ça ? La musique en Côte d'Ivoire nourrit qui ? Ça nourrit ceux qui sont autour, les Kwakwato qui sont autour, qui font comme ils sont bons là. Donc, d'autres vont s'attacher à eux. C'est ceux-là qui bouffent. Mais nous qui avons souffert, Kala, moi j'ai souffert. Mes enfants, qui invite mon fils auprès d'eux là-bas ? Qui invite mon fils ? Donc, ils préfèrent. Ils l'ont bloqué un peu partout. Je n'ai pas dit l'ont bloqué. J'ai dit qu'ils l'invitent. Je ne parle pas de. J'ai dit qu'ils l'invitent. Qui ? Qui ? Donc, vous pensez qu'il y a une mafia qui s'installe au sein de ce mouvement ? Il y a une mafia. Très mafia même. Ce n'est pas mafia, mais c'est donc, blé même. Donc, il y a la question. Donc, c'est ceux-là qui font tout. Et c'est des personnes comme ça qui bouffent. Mais qui bouffent ? Aïe, ce n'est pas moi qui suis venu demander ma fille. Quand tu connais ceux qui bouffent, qui sont là, qui se disent qu'ils sont chanteurs, ils sont là, tantantouan, pom, 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 pom. Toujours en train de gueuler, wow, c'est elle qui bouffe. Eh. Les tantantouan, les wow. Bon, on vous voit très complice avec ta belle-fille, Désirée. Mais... Comment est née cette complicité, belle-mère, belle-fille, quand on sait que dans le foyer, il y a toujours discours, belle-mère, belle-fille, mais pour vous là, c'est quoi votre secret? Ben, le secret, Désirée, c'est ma fille. Hein? Et puis, c'est moi, je vais marier mes enfants pour aller faire palabre avec mes belles filles. Au contraire, même souvent, quand je n'ai pas l'argent, quand j'arrive là, souvent, je suis boise, quand elle n'est même pas sûre. Et je souffre. Quand j'arrive, je dis, Désirée, viens, je dis, va fouiller la portefeuille de ton mari là. Prends un peu. J'arrive. Maman, tiens, tu vois, ça fait joli. Donc, je n'ai pas de problème avec mes belles. Parce que quand tu t'entends à elle là, leur mari s'occupe de toi. Mais si tu ne t'entends pas à tes belles filles, mais elles vont fermer la porte. Aïe, heureusement. Donc je m'entends bien, mes belles filles. Ce n'est pas elles que je peux avoir un peu pour manger, pour payer mes pains. Aïe. Surtout que mon papa va être autour où les gens ne veulent plus que je le voie, ils m'ont fermé. Donc, c'est mes enfants là qui me donnent un peu. Il faut voir, sinon moi qui ai fait la campagne de Ouattara, il m'a mis à la une, tout le monde m'a vu. Est-ce que j'avais voiture ? Et à cause de Ouattara, est-ce que vous savez qu'on a cassé ma voiture ? Ah. À l'époque, ils ont cassé ma voiture, je n'ai plus voiture jusqu'à à ce que le petit là aille chanter, faire ses maisons, jusqu'à ce qu'il m'achète une voiture. Vous trouvez que c'est normal ? Mais quand ils sont là, les Ivoiriens, hey, là, Ouattara, donc, comme ça, ils gâtent mon air, fait ça. Elle vend ça. Qui? Moi, je n'ai pas de problème avec les gars. Hein. Moi, je ne sais pas. S'il y a quelqu'un qui te dit qu'un gars me persécute, c'est faux. Ce n'est pas ce que je suis en train de te dire. Moi, Gbagbo, c'est mon papa. Pourquoi un gars va me persécuter? Gbagbo, c'est mon papa. Hein. Pour votre prise de position, peut-être. Je n'ai pas pris de position. C'est eux, mais c'est les gens qui étaient autour de Gbagbo qui ont fait que je suis parti de l'autre. Bah, j'étais fâché. Ils ne voulaient pas qu'ils fassent campagne de mon papa Gbagbo. Et quand je suis partie, mon papa m'a vu. Papa m'a dit, il faut venir. Quand j'ai expliqué, il dit, ah, j'ai compris, pas te fâcher. Mais si elle devient président, tu viens. Bon, il y a des secrets. Moi, ce que lui et moi, on a parlé, là, ça reste entre nous. Voilà. Alors, maman, notre mission...
Mais que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu ait la main tous les jours sur la Côte d'Ivoire. Ce que je viens de dire, je n'ai pas insulté Ouattara. Celui qui va se lever pour dire « je m'en vais te faire du mal », que Dieu fracasse cette personne jusqu'à sa quatrième génération. Parce qu'on parle, vous n'écoutez pas, c'est pour dire « l'insulter Ouattara ». Je n'ai pas insulté Ouattara, hein. Vos sorcelleries là, ça n'a qu'à rester là-bas. Hein. Celui qui se lève pour dire que oui, elle a parlé tant, on s'en va là. Que Dieu vous fracasse jusqu'à votre quatrième génération. Les Ivoiriens, je vous aime. Et un message à votre fils, c'est tant aimé. Ben, j'aime tous mes enfants. À travers mon fils parfait, j'aime tous mes enfants. Que Dieu bénisse mes enfants. Toi-même, tu es ma fille. Que Dieu vous bénisse, mon fils. Moi, j'ai 5 enfants. Que Dieu deux filles, 3 garçons. Que Dieu bénisse mes enfants. Que Dieu vous bénisse, vous, mes enfants. Et que vous réussissez dans ce que vous faites pour qu'un jour, vous puissiez me donner à manger. Merci. Notre mission est maintenant certaine. Merci à tous ceux qui nous soutiennent depuis les quatre coins du monde.